Et Niam et chatons, c'est Bakan et Kosan sur YouTube et heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de notre série sur Dark Souls 3. La run Pyro qui suit son cours tranquillement. J'ai vendu quelques âmes. Ah oui, tiens, un truc que je voulais tester. J'ai vendu quelques âmes, j'ai pris quelques niveaux. Voyons voir. Placer sort. Ah, faudra que je monte ça aussi à un moment. Pour avoir trois sorts. La grosse boule, c'est beaucoup trop la cohue pour essayer d'avoir quoi que ce soit. Je pourrais essayer transpiration abondante également, parce que la petite me servira pas beaucoup plus. Non. Ah, ils sont de retour. Il va me suivre encore longtemps, c'est tenace ces petits trucs. Quand même. Et là, on applique la fameuse technique du Nigarundayo. On invoque qui là? Ah, on invoque Henry. D'accord. On peut faire ce combat avec Henry. Ok. J'avais jamais remarqué. Bon, c'est pas ultra efficace, hein. Ah, il y en a qui en meurent quand même. Mais tu vas me lâcher, oui. Pour rappel, le diacre, il faut le tuer assez rapidement. Pour ce qu'ils sont en train de préparer là. Sérieusement là par contre.
Ah, il me fait un double jump là. Et bien évidemment, je n'ai jamais utilisé transpiration abondante alors qu'elle aurait pu m'être très utile. Nous l'avons vu. Donc. Non, c'était juste au cas où. Je sais qu'on a la tenue de l'archidiacre si on allume son feu, qu'on va ailleurs et qu'on revient. Est-ce qu'il est là maintenant? Oui. Pas besoin de... Donc, eh ben on peut tout de suite... Et on voit Bastion de Pharaon. Hop. Et oui, parce que j'étais allé chercher Fer d'acier, mes chers d'acier. J'ai aussi été chercher le fragment d'Estus, donc pas la peine que je le cherche. Souviens-t'en, Baka. Tu as déjà pris le fragment d'Estus ici. Qu'est-ce que j'ai en résistance au poison ? Voyons voir, oui, poison. Donc ça c'est 28. Non, 29, 26, 15, 17, 14, 14, 14, 15, 27. Où je suis allé, j'ai oublié de... Non, me dites pas que juste parce que j'ai oublié d'aller lui donner tout de suite son truc, il est plus là. Par pitié, de grâce. Non, tout va bien. Oh, Mayama. Je vais juste lui parler pour être sûr. Il me semble que je peux prendre un niveau là. Et croyez-moi, dans le marais, il vaut mieux. Donc, on va y aller. Welcome, sir. Very then taken. Let these souls... Ça, je peux prendre un niveau et je vais prendre... Ah non, j'ai pris un niveau en endu tout à l'heure. Je vais commencer à faire un peu de vita. Parce que, à mon avis, le bastion de Pharaon, enfin, contre la Légion des Abysses, enfin, contre les Watchers, il va me falloir. Il va me falloir un minimum de vita. Ne serait-ce que pour pas claquer en deux coups d'épée, quoi. J'irai faire un petit peu tout ce qui est annexe plus tard. Je sais plus ce que c'est, hein. On doit aller vérifier. Ah, c'est juste un fragment de titanium de base. Oui, les trois feux. Il y en a un par là-bas. Qui en soi est déjà une suffisamment mauvaise nouvelle.
Je sens qu'on va être... Ah, quoi que, attendez. Ah oui, non, c'est par là-bas. Toujours, hein. Ça n'a pas changé. Je me repère peut-être un tout petit peu mieux qu'avant, mais ça n'a pas changé. J'ai toujours un sacré mauvais moment à me repérer dans le marais de Faron. Ça, pour l'instant, ça change pas. On connaît ça, merci. Eh ben, tu viens ou bien? Merci, comme ça au moins tu m'embêteras pas à un moment moins opportun. À un moment moins inopportun plutôt. Quand même. Bon, parce que madame qui se permet de se pointer alors qu'on est entouré de basilisques, bon, je peux vous dire que quand ça m'est arrivé, j'étais pas content. Voilà, vous les entendez? Donc, dans ce coin-là, il n'y a pas de feu. Le prochain est dans cet azimut-là. Il ne m'arrange pas vraiment. Voilà. Je suis désolé, mais ça, j'ai pas vraiment envie qu'il s'intéresse à ma couenne. C'est pas ici justement. Si. Voilà, dégage. Toi avec ton bouclier là.
Étant donné que je suis déjà empoisonné, tu représentes un danger de moins. Est-ce que c'est... Non, c'est pas celui-là. Il va y avoir un traquenard, non? Ouais, il y a lui, mais... Il a pas l'air de trop s'intéresser à moi. Résine de pain pourri, super, pour mettre des dégâts de poison sur votre arme, un petit peu comme la résine de pain doré. Troisième, il est par là-bas. Entendre un basilisque. Non, c'est eux. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Contre ce genre d'ennemi, ayez un bouclier. Empoisonné, non, sans deck. Alors, j'ai loupé l'anthracite, mais cet anthracite-là, on n'en aura pas besoin. Celle qu'il faut que je ne loupe pas, c'est celle des profondeurs. Mais celle des profondeurs, bon, elle est dans le donjon de, dans le donjon d'Irithyll, donc tout va bien. Ah, c'est pour jouer à Guts. Alors, je pourrais le prendre, le lichen violet, hein, mais très peu d'utilité. Là, très peu d'utilité, parce que de toute façon, en plus, on est ralenti, donc on est vraiment handicapé, donc vraiment aucun besoin de s'enlever le poison. Bon, les autres, les fragments d'os de mort-vivant, ils sont où? Là-bas, non? Non. Non, ça c'est justement l'entrée du bastion, donc qui devrait pas être si loin. Mais non, là je suis revenu au début. Oh là là. Donc là, c'est le premier feu qui est éteint. Oh, va y voir, voilà. Lui. Ah, ça vient de cette saloperie là. Il avait l'autre.
Est-ce que je peux récupérer mes mouvements, s'il vous plaît, avant que... Voilà, merci. Merci. Bah, un peu fait flipper, hein. Bah, du coup, on passe à côté, donc on prend l'anthracite. Mais là, vous voyez à quel point je peux me perdre d'une facilité dans ces dans cet endroit. Et... Oui, j'étais là tout à l'heure, hein. On a le feu qui était éteint. Enfin, on a le feu qui maintenant est éteint. Et j'ai papillonné un peu, je me suis perdu. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis perdu. Comment vous faites? Il n'y a qu'une salle de cours. Voilà. Ça, c'est... Non, des feux au pif. Je suis pas spécialement content d'être là. Voilà, ça c'est l'entrée de. C'est l'entrée du bastion. Oh. Tant de patience. La délivrance. S'il vous plaît, dites-moi qu'on peut les backstab. On peut. Un de moins. Ah, il y a des front stab aussi. Je casse tellement peu la garde d'un ennemi en tapant dans son bouclier que j'ai peu d'itérations de ces...
D'accord, merci le tracking. Hein. N'hésite surtout pas à revenir. Donc, voyons voir. Je doute qu'il soit très réceptif au. Qu'il soit très réceptif au. Au feu. Je parle du démon sur le pont. Hein, Et on peut toujours essayer. Excusez-moi, j'ai essayé de m'éloigner le plus possible pour ne pas vous incommoder, mais ça n'a pas suffi. Il n'y a pas des grands fragments de Titanic là? Oui, je crois, notamment dans un petit lézard de cristal. Il y en a peut-être un, voire deux, mais pas beaucoup plus, je crois. Ça doit être... Ah, une titanite scintillante, si j'allais dire, ça doit être une écaille de titanite. Mais une titanite scintillante, ça m'arrange. Parce qu'il me semble bien que les cheveux de la sorcière s'augmentent par titane scintillante. Ouais, non, ça sert à rien de faire de la pyro sur lui, il utilise une pyro. Son âme nous donne la possibilité de transposer une pyro, donc ça ne sert absolument à rien. Ça, nous on en balance qu'un, hein, mais son âme nous donne la possibilité de faire ça. Oups, j'ai besoin de... Voilà. Oh, j'étais pas serein. Mais j'étais tellement pas serein quand il a commencé à perdre ses jambes. J'étais là, oh non.
S'il est presque plus dangereux comme ça que il est presque plus dangereux les jambes en, avec les jambes en moins que quand il est entier. La raison est qu'il est plus rapide, plus nerveux que ses attaques sont. Que ces attaques, tout simplement, on les voit quasiment jamais, puisque moi, personnellement, c'est la première fois que je le vois perdre ses jambes. C'est ça, grand fragment de titanite, lance de foudre. Viens par là, petit bonhomme. Tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Et qui sont du dragon, qui nous offre une protection contre le feu, il me semble. Je suis dans la merde, hein. Bon, so far so good. Aïe. Pour l'instant, ça va. Je prends d'énormes précautions parce qu'il y a notamment un assassin dans l'eau et j'ai pas spécialement envie de l'affronter. Alors non. Merci, c'est très gentil. J'ai pas envie de l'affronter de front. Bien, il courait contre son mur en me regardant. Bon, alors c'est dommage, il va m'en manquer un. Ça fait le deuxième que je réalise de ça. Bon, écoutez, pourquoi pas. Bon, le seul inconvénient, c'est que j'ai pris tous ces risques simplement pour gagner une gemme lourde. Ce qui n'est pas... Je vais pas vous mentir, ce qui n'est pas super glop. Qu'est-ce que c'est ça déjà? C'est la cathédrale, tout bêtement. Oui, là on a là en face, au niveau du bout de mon épée, on a la porte qu'on ouvre quand on rencontre Patches, je pense. Déguisé en chevalier oignon.
Bon, vu qu'on a débloqué le chemin pour aller jusque... Mais ouais, hein, je pense bien que c'est ça. J'arrêterai jamais de m'extasier sur à quel point les level design de From Software sont ouf. C'est pas les seuls à avoir fait ça depuis Dark Souls, mais je suis désolé, dans Dark Souls, on peut parcourir le monde entier. Enfin, on peut partir de Lichfeu, parcourir le monde entier et revenir à Lichfeu. J'en suis quasi persuadé. Je parle bien évidemment de Dark Souls 1 parce que... C'était aussi le sanctuaire de Lichfeu dans Dark Souls 1. Il me semble. Je sais plus. Pas juste une pierre de confession, ça d'ailleurs. Il fallait le voir, hein, je suis d'accord. Mais croyez-moi que si le sorcier avait eu le temps de crier, on l'aurait vu. Oh oui. Je vais laisser tabasser encore quelques trucs là. Voilà, comme ça fait des âmes gratuites et pour lesquelles on a, enfin pour lesquelles on n'a pas eu à s'embêter. Alors logiquement, lui, il est un tout petit peu moins fort que celui qu'on avait à... Oui, clairement. Donc voilà, grande arme magique. Je vais aller définitivement, enfin, je vais aller me reposer au feu là-bas. Enfin, c'est pas spécialement utile en fait.
Ici, vous avez quelques petits trucs qui. Quelques petits goodies qui vous attendent. Donc une pierre empoisonnée, je crois. Non, il n'y a pas une gemme empoisonnée. Ah, il y a expiation. Une gemme de carcasse. Ben voilà, il y avait bien une gemme, mais c'était une gemme de carcasse. Ce qui fait que j'ai pas spécialement envie de me retrouver. Mais non, j'ai pas spécialement envie de me retrouver au milieu pile de toute une armée de toute une armée de basilisques. Ce qui fait que je vais utiliser un Usurtour. Qu'ai-je? Pas d'âme en plus, ça c'est une certitude. Déjà, j'ai les fragments d'os de mort-vivant. Non, j'ai pas récupéré de bouquin de pyro. Hein. J'ai récupéré les cendres de rêveur, ça oui. Je n'ai pas de. Crois que j'ai plus de pyro. Hein. Si, j'en ai encore quelques-unes. Boule de feu explosive. Grande combustion. Si c'est un sort rapide, ça peut. Si c'est un sort rapide et surtout qui stun un petit peu les ennemis, ça peut être très pratique. Oui, il n'a pas grand-chose à vendre après son premier pillage. Il y a l'armure des chevaliers de Lothric au bout d'un moment, je crois. Une chose est sûre, c'est qu'ils ont bouclier de chevalier du grand maître. Hein? Comment il a ça, lui? Premiers ennemis qui portent ça, c'est à Irithyll. Bah écoutez, je sais pas. Au bout d'un moment, je crois que après. Au bout d'un moment, c'est. Après Irithyll, il aura l'armure des chevaliers de Lothric qui est. Au minimum leur bouclier. Et l'épée aussi, je crois. Je suis pas sûr qu'il ait la lance. Oui! Oula! J'ai failli partir dans les catacombes sans aller les voir eux. Pleased to see you safe. We reached the Cathedral of the Deep, but Aldridge's coffin was empty. The man-eater must have left for his true home. The little doll in the empty coffin told me. Aldridge is said to hail from Irithyll in the Boreal Valley, an ancient fabled city. A pilgrim told me that the city lies beyond Farron Keep, and so becomes our destination. Eh, mine de rien, quand on est perdu la première fois, on croise Anri, on voit des gens qui nous attaquent pas, qui nous sautent pas sur le groin dès qu'on les croise. On leur parle. Et une fois qu'on leur a parlé, on a compris qu'ils étaient, on a compris qu'ils étaient sympathiques. Et surtout, en plus, ils nous donnent un point de mire, la cathédrale des profondeurs. Si on est perdu après la cathédrale des profondeurs, et qu'on revient ici sans être allé faire le bastion de Farron, eh ben, il nous dit, voilà, il est à Irithyll, c'est derrière le bastion de Farron. Se mettre à chercher le bastion de Farron. Non, c'est pratique. Non, rien du tout. Même pas un petit cadeau, t'es pas gentil.
Début de transposition, ça c'est quoi? De la sorcellerie, sorcellerie. Diacre des profondeurs et sage du cristal. Et ça, c'est pas un truc de. Si, du diacre des profondeurs. Ça, c'est l'arbre géant. Âme d'un sage de cristal. L'âge du démon, ça doit être avec l'âme de celui qu'on récupère. Ça doit être celui avec, avec l'âme de celui qu'on récupère quand on a. Avant d'aller dans le lac Cendreux. C'est Vort. C'est toujours l'arbre. Voilà. Ça, c'est l'âme d'un démon. Donc, encore une fois. L'anneau d'Avel. Et l'anneau d'Avel, c'est. Excusez-moi, l'anneau d'Avel, c'est le démon vagabond. Et là aussi. Et franchement, j'ai jamais testé cette pyro. Donc je vais l'acheter et on va la tester ensemble. Placer sort. Ah, elle est assez rapide. Par contre, elle consomme de l'endu, la cochonne. Voyons voir. Ah ben, j'ai plus grand chose à faire. Heureusement que je suis revenu, parce que sinon, je m'en serais voulu d'avoir loupé Anri. Et je m'en serais aperçu que dans les catacombes de Cartus. Comme quoi, peu importe le jeu vidéo, Cartus est un mort-vivant. Nous allons donc nous laisser ici. N'oubliez pas de considérer le petit abonnement qui fait plaisir et le petit pouce bleu de l'amour. N'hésitez pas à venir me voir en live, vous trouverez l'adresse de la chaîne dans la description. D'ici la prochaine fois, mes chatons, je vous fais à tous des joues sur le museau. Je vous remercie d'être restés jusque là et j'espère vous revoir tous très bientôt. Et surtout, en bonne santé. Allez, ciao tout le monde.